Quand je vous demandais, il y a un peu plus de 2 ans, sur la scène de votre théâtre à Paris, ce que Mélissa Torio, Mélissa Debbouze, avait changé dans votre vie, voilà ce que vous me répondiez. Ben oui, bien sûr que ça a changé, j'ai évolué, je me suis marié, aujourd'hui son avis compte, et son avis me plaît, je trouve qu'elle est vraiment intelligente, qu'elle a de la sensibilité, qu'elle a de la sollicitude pour moi et pour le monde qui l'entoure, et moi j'aime échanger avec elle parce que c'est constructif toujours. Donc quand je fais une vanne balourde, ça m'énerve de ne pas la voir rire, et quand elle rit, je suis transporté, parce que j'aime cette femme, donc quand elle rit, je suis très heureux, et elle est très drôle, peu de gens le savent, elle est très drôle, donc c'est un avis important, tu vois, je sais pas si ça a changé quoi que ce soit chez moi, en tout cas, il est évident que j'ai pas envie de la décevoir, donc tu vois, je prends des détours parfois, c'est possible. Comment est-ce possible, après une telle déclaration, que ce jeune homme totalement transporté d'amour, ici à l'écran, n'ait pas immédiatement compris que Lucie, c'était la femme de votre vie? Toujours des très très belles tournures de questions, Paul-Marie. Eh bien, je ne l'ai pas vu tout de suite parce que je crois que les choses les plus évidentes, on ne les voit pas forcément. Et les choses les plus essentielles aussi, tu sais, on est parfois obligé de faire le tour du monde et revenir chez soi pour se rendre compte que c'est le meilleur endroit au monde. Et pareil pour Lucie, c'est vrai que d'abord j'ai cherché très longtemps, très très longtemps, parce que j'avais un fantasme, tu vois, je la fantasmais cette Lucie, j'ai cherché pendant très longtemps, et je me suis rendu compte un jour par hasard que c'était ma femme, par hasard dans mon salon, enfin par hasard, on a beaucoup échangé tous les deux sur le texte, elle m'apporte énormément, elle me pousse tout le temps à aller plus loin, plus haut, à me poser des questions, et c'est vrai que elle a féminisé cette partition, c'est sûr. En tout cas, elle l'a amenée ailleurs.